Bon après-midi, Monsieur Patterson. Comme je l'ai dit, tout ça, encore un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour pouvoir encore édifier tous nos internautes sur des sujets très cruciaux que l'être que nous sommes n'arrive pas à comprendre, que l'être que nous sommes n'arrive pas à discerner pour pouvoir comprendre la nature dans laquelle il se trouve. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème très particulier. Et il s'agit ici de savoir qu'est-ce qu'une personne ou un être mystique. Qu'est-ce qu'une personne ou un être mystique? Déjà, on a communément l'habitude de dire que le mystique ou le mysticisme est ce qui a trait au mystère, est ce qui a trait à ce qui est caché. Mais vous, ici, vous allez essayer un peu de nous donner un peu quelle est votre vision et quel est votre regard vis-à-vis de cela. Voilà, merci Monsieur Mouvement. Nous rappelons que vous êtes maître en géologie. Voilà. La préoccupation, c'est de savoir quelle est la différence entre un être mystique et une personne. En tout cas, si on va au niveau du mot être, parce que l'être qui est mystique et l'être qui n'est pas mystique, tous sont des êtres vivants. Voilà. Il n'y a pas une très grande différence au niveau du mot être, parce que c'est quand on parle d'être vivant, ça renvoie tout ce qui a souffle d'existence, pour ne pas dire souffle de vie, c'est-à-dire tout ce qui existe est un être vivant. Vous allez voir que généralement dans le livre des chrétiens, la Bible, il est dit que le Christ est un être, c'est un esprit vivifiant. Donc lui, il est différent d'un être vivant. Donc, quand on parle d'être vivant, ça renvoie pas seulement aux êtres humains, ça renvoie même aux plantes, aux animaux, aux poissons, donc tout ce qui est comme composante de l'univers et qui existe, ce sont des êtres vivants. Voilà. Maintenant, la différence est au niveau de la sémantique. C'est vrai que les mots aujourd'hui sont parfois chargés d'une dimension vibratoire. Donc la sémantique, elle va prendre aussi de force ou de puissance par rapport à la construction du sujet. Parce que je peux dire je suis un être mystique, mais au fond je suis rien. Vous voyez un peu, quelqu'un peut dire je ne suis qu'un être simple, mais pourtant au fond il est rempli de beaucoup de mystères, comme vous dites. Excusez-moi alors, s'il faut parler de la construction de l'être, Oui. la construction de la personne, Oui. ça veut dire qu'il faudrait avoir une certaine base, une certaine Justement. connexion avec cette nature-là pour. Exactement. Parce que quand on parle de mystique, cela renvoie justement au mystère. Mais c'est qu'est-ce qui peut rendre quelque chose de mystère ou de mystérieux? Mais c'est une source. On voit un peu, non? C'est une force qui est surnaturelle. Parce que tout ce qui est naturel est du commun des mortels. C'est-à-dire, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, ce qui est déjà surnaturel, c'est que les êtres humains naturels, ou alors les êtres vivants naturels, ne peuvent pas interpréter. Parce que le problème, c'est une interprétation. Voilà, de la chose. Vous voyez un peu, c'est où on parle de mystère, dans certains milieux, on parlera de miracle, dans certains milieux, on parlera de magie. Est-ce que vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, d'autres vont te dire, si tel a posé un acte, je comprends pas, c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un ceci. Donc, c'est ça. Donc, la différence est au niveau de la construction identitaire fondamentale de tout, de ce qu'on appelle être mystique. Voilà. Maintenant, vous savez que cette dimension de mystique, il est relatif. Et il dépend du degré de compréhension de chacun. Parce que quand vous allez, par exemple, à l'ouest du Cameroun, les garants de la tradition se passent pour des êtres mystiques. Vous voyez, quand vous allez dans des milieux où les gens dansent ont des danses traditionnelles rituelles, ils se passent pour des êtres mystiques. Quand vous allez dans le sud du Cameroun, ceux qui ont des rapports avec des arbres, les singans et consorts, ils se passent pour des êtres mystiques. Aujourd'hui même, les marabouts se passent pour des êtres mystiques. Mais sauf que, quand vous allez maintenant dans les milieux ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, quelqu'un et tout ce que vous pouvez citer, cabale, juif et consorts, ils se passent aussi pour des êtres mystiques. Maintenant, c'est quoi un mystique? Le mystique, ce n'est qu'une personne qui a un rapport conscient avec une composante de l'univers, ou avec une partie de l'univers, parce que nous disons toujours que l'univers prend forme comme poisson, comme humain, comme plante, comme
animaux. Vous voyez un peu? Donc Oui. maintenant, ou comme même le ciel, la terre, le vent, la pluie. Donc, aussi longtemps que un être est en contact conscient avec une des composantes de l'univers dont les autres êtres ne parviennent pas à communiquer avec eux, il se passe directement pour un être mystique. C'est pourquoi quand vous allez dans certains milieux ou dans certaines régions, quelqu'un te dit carrément qu'il peut écouter les oiseaux parler. Il peut communiquer avec les animaux. Voyez un peu, il peut communiquer avec le vent. Donc, il se passe déjà, il sait qu'il est un être mystique parce qu'il cause avec une composante de l'univers qui n'est pas à la portée des autres. C'est-à-dire que la communication entre elle et les autres n'est pas possible. Vous voyez, c'est le mot, voilà où le mot mystique commence à entrer. Il y a d'autres qui vont peut-être poser des actes que monsieur tout le monde ne peut pas faire. Par exemple, se déplacer en lévitation. Moi, j'en ai vu beaucoup au village, les gens qui se déplacent par lévitation. Ils se passent pour des êtres mystiques. Vous allez dans les milieux ésotériques, comme je vous disais, on a appris à quelqu'un comment partir de son corps, comment communiquer avec son corps astral, ou alors faire des activités avec son corps astral. Partie de son corps, il se passe pour un être mystique. Mais sauf que ce que moi j'ai constaté dans toutes ces dimensions, c'est qu'on ne sort pas de l'univers. Tout ce que le mystique peut faire, il ne va pas au-delà de l'univers. Il reste là, fermé dans l'univers. Et je me souviens ici à Kribi, j'avais une connaissance, il aimait toujours nous dire que son grand-père, quand il se fâchait et qu'il commettait les dégâts, vous voulez faire ce qu'on appelle généralement aujourd'hui le retour. Quand il y avait le retour, il allait se cacher au soleil, ou sur, avant, non, sur la lune. Et il vous disait toujours, vous me cherchez, moi je vais aller me cacher à la lune. Est-ce que vous voyez un peu? C'était ce qu'il faisait. Et la ville où nous sommes, on nous parlait de M. Madola, qui était je peux dire, un très grand homme rituel dans cette ville, à l'époque des colons. Quand les colons voulaient le tuer, comme ils ont fait avec Martin Boussamba, ils prenaient l'apparence d'un objet. Il pouvait devenir une pierre, il pouvait devenir un morceau de bois, ou une voiture, ou je sais pas moi quoi, un morceau de plantain. Donc, vous voyez que c'était des êtres mystiques. Et vous allez voir que, à la fin, on a fini toujours par les tuer. Que ce soit Martin Boussamba, qu'on nous a dit qu'il avait un mouchoir, vous voyez un peu qu'il pouvait dévier les balles, les Béhanzins au Bénin. Pour finir, ils ont toujours été détruits ou massacrés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était des êtres mystiques à un niveau, à un degré. Alors, ils ont fait face à d'autres êtres mystiques qui est aussi à un degré de compréhension du fonctionnement de l'univers. Parce que quand il prend la forme du plantain ou la forme d'un mur ou la forme d'un caillou, il n'a que pris la forme d'une composante de l'univers. Vous voyez qu'il ne sort pas de l'univers. Même s'il passe caché sur la lune, il est dans l'univers. Voilà pourquoi, dans le mysticisme, on peut te détruire par rapport au degré où tu te trouves. Et maintenant, il y a une compétition donc, dans la dimension mystique. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'univers et dont leur rapport est avec l'univers et qu'ils appellent, ils se passent pour des êtres mystiques ou des êtres supérieurs, et on peut les détruire tout simplement parce que le rapport qu'ils ont avec l'univers ne peut pas les amener au-delà de l'univers. Vous voyez un peu, voilà. Ça fait que moi qui ai peut-être initié, peut-être à la Kabbale juive ou à la franc-maçonnerie, par exemple, s'il arrive, par exemple, que je prends une forme qui est une composante de l'univers et toi qui as une dimension très élevée et que tu peux prendre une forme au-delà de ce que j'ai pris, tu peux me massacrer. Vous voyez un peu, tu peux me massacrer. Donc, c'est un problème de dimension. Donc ici, il faut un peu, parce que c'est un pas d'un domaine spirituel où il faut aller au-delà, faut se transcender, faut se transcender. Ça veut dire que ceux qui vont se prendre pour des êtres mystiques, ou bien des personnes mystiques, c'est ceux-là qui arrivent à être très proches de l'univers, à communiquer vraiment avec l'univers. Pourquoi? Parce que si nous prenons l'exemple de Martin Paul Samba, Paul Zambavi. on va constater que il pouvait prendre la forme d'une pierre ou bien d'un arbre, mais il s'arrêtait à ce niveau. Mais quelqu'un qui peut aller au-delà de ce qui peut couper l'arbre, réussissait à aller Ah, dessus. le tailler, justement. Maintenant, et même celui qui peut aller au-delà de l'arbre, il va prendre aussi une autre forme, qui serait toujours un morceau de l'univers, ou qui ne serait qu'un prolongement de l'univers. Et c'est ça, voilà pourquoi le mysticisme a des limites. Maintenant, il y a une autre dimension qui est au-delà
de l'univers. C'est pourquoi c'est celle que le Christ a présentée. Vous voyez, quand on présente le Christ, comme disait mon frère Onze, il dit les Rosicruciens, on leur a dit Jésus était aussi un peu Rosicrucien. Et il dit, ils se sont fait avoir de penser comme ça. Parce que si on dit Jésus était Rosicrucien, ça veut dire que Jésus était moins qu'un kabbaliste. Vous voyez un peu, voilà, ça réduit parce que la Rose-Croix par rapport à la franc-maconnerie, vous voyez un peu, voilà, parce que quand on voit les œuvres de la franc-maconnerie aujourd'hui, les œuvres rosicruciennes sont un peu étouffées, voilà. Et tout le monde sait que les rosicruciennes sont beaucoup plus débouchés que les francs-maçons. Bon, vous voyez que au niveau du Christ, si on prend même le Christ en tant que personnage dans la Bible, vous allez voir que les actes dont il pose est au-delà de l'entendement même des mystiques qu'il aurait trouvé à son époque. Vous voyez un peu? Parce que quand on parle de Pilate, Pilate c'est un mystique. Quand on parle de Hérode, ce sont des mystiques. Maintenant, si je laisse le Christ, je te prends par exemple Jacob. Vous voyez que Jacob a une rencontre avec avec son oncle. Et on te dit que son oncle est un serviteur des téraphins. Donc ça veut dire que c'était un maître cosmique. Vous comprenez un peu, voilà, il avait des rapports avec les téraphins, il était un haut prêtre. Donc, et on continue avec lui, on te présente qu'il communiquait avec ses téraphins, il parlait avec ses dieux. Et quand il a eu le projet de massacrer Jacob, comme on parlait tout à l'heure, il a eu en cœur de massacrer Jacob, on te dit la dimension créatrice, celle qui, au-delà du mysticisme, s'est présentée à lui. Et lui dit, tu ne feras aucun mal à Jacob. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi vous allez voir dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la cabale, les chirames, la sorcellerie du quartier ou la sorcellerie du village, les gens s'entretuent entre eux. Pourtant, ils ont comment je veux dire, ils ont des volumes de force à l'intérieur d'eux, mais on parvient toujours à les massacrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre eux dans l'univers. Donc, ce qui est fort, ce qui est vrai, ce qui est vivant, le vrai franc-maçon, pas franc-maçon, c'est le Christ. C'est-à-dire, c'est le vrai constructeur, le vrai mystique, c'est le Christ. Parce que lui, quand il vient, il va être au-delà de tout ce qu'on va appeler être mystique. Ouais, un peu. C'est la raison pour laquelle, quand il vient, observez bien, n'oubliez pas que c'est les mystiques aujourd'hui, qui donne la définition au regard de société que les êtres dont tu parlais non mystiques ont aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est eux qui planifient ce que c'est que l'éducation, c'est eux qui planifient ce que c'est que l'économie, ce que c'est que la guerre, vous voyez un peu, ce que c'est que la politique. Donc, vous voyez que quand le Christ vient, on te dit, il y a une partie très intéressante dans la Bible qui dit, tout le monde se tournait vers le Christ. Et les grands prêtres se sont réunis et ont dit, mais attends, il y avait un parmi eux qui voulait dire, mais toi aussi tu es disciple de ce monsieur. Donc vous voyez que maintenant, on montre là que c'est le Christ qui donne le cours de l'histoire, c'est lui qui change le cours de l'histoire, c'est lui qui donne un nouveau regard de société. Donc les gens ont abandonné la politique, le travail, le football, l'économie, tout ce que tu peux imaginer pour aller suivre le Christ. Voilà un vrai mystique. Parce qu'un mystique graine les feux. Vous voyez un peu? Un mystique, c'est un maître. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui donne des repères. Voilà. À ceux qui sont vides. À ceux qui n'ont pas d'orientation. Vous voyez un peu? Il remplit les vases vides. Il remplit. Voilà le vrai mot même. Il remplit justement les vases vides. C'est pourquoi, vous voyez, le Christ disait toujours, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Vous voyez un peu? C'est pour que, il dit, je vous donne enfin que vous soyez comblés, complets dans ce Il que vous fallait avez fait. vraiment très près de l'univers pour comprendre toutes ces paraboles. Il fallait même plutôt être près de lui pour Oui. comprendre de quoi il est question. Déjà, même que ses disciples ne percevaient même pas de quoi il parlait, parce que certains ont dit, mais pourquoi tu le parles en parabole? Il dit, mais ce que je vous dis n'est pas donné à ceux-là. Parce qu'ils ne sont pas construits. Enfin, ils ne sont pas encore prêts à comprendre. Donc, le temps viendra, leur esprit va s'ouvrir par la force de mon Père, et ils vont comprendre. Voilà un peu. Donc, il y a une différence entre un être mystique et un être divin, c'est-à-dire que celui créatrice. Je préfère dire un être qui est la projection visible du créateur. Ouais, un peu, parce que quand tu viens du créateur, et vous allez voir, même dans notre petite société aujourd'hui,
Observez bien, vous allez voir, les gens, même les films sont présentés, le quotidien nous le révèle. Quand quelqu'un te dit, bon, si tu es un sorcier, moi, au nom de Jésus, tu ne peux pas me vaincre. Donc, vous voyez qu'il te présente là que il y a, tu as une dimension et moi, je suis à une dimension. Donc, vous voyez un peu, Il non? est supérieur Voilà, et Jésus est et supérieur à ce que tu es en train de dire. Et vous voyez un peu, et parfois, ça marche même. Ça marche. Tu vois, le gars te dit comment, au nom de Jésus, je détruis toutes tes pensées, je détruis tes projets, je lis ta langue, je fais ceci. Et ça marche. Et maintenant, vous, dans votre construction, Si si vous acceptez ce Jésus-là oui. comme étant celui-là qui est Comme maître, maître, comme guide. ça, cette Mais action est positive cette d'accepter. action est positive, déjà même, elle doit être d'abord positive à votre niveau. Parce que c'est vous d'abord le vase. Parce que le Christ vient pour avoir un rapport sexuel avec chacun de nous. Vous voyez un peu? Donc, quand vous le recevez comme époux, vous voyez un peu, vous devenez la force agissante de l'époux. Sa L'épouse, représentation, l'épouse, sa pure l'épouse, vibration. oui, voilà, l'épouse émet, c'est-à-dire émet les vibrations de l'époux. Donc, monsieur Bérandé, Oui. si nous devons revenir un peu à cette compréhension-là du mystique, de la personne et de l'être mystique, et nous nous rapprochons un peu de l'actualité, Oui. pouvons-nous dire que vous avez parlé des guerres tout à l'heure, Oui. que ce sont ces missiles-là qui vont Organise, créer ouais. les guerres. Nous avons une actualité actuelle entre deux pays, Oui. est-ce La que Russie la et Russie et l'Ukraine. l'Ukraine, et Justement. nous voyons d'autres nations ne pas se prononcer de manière physique, Oui. Ouverte même. ouverte Oui. même. Officielle. Ça voudrait donc dire que le président russe Oui. est un peu mystique. C'est une très bonne question. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, quelqu'un qui est à l'étranger. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai pris une image dans la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui dit, si vous voyez quelque part un grand qui menace un petit et que l'autre grand n'intervient pas, c'est parce qu'ils sont ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est parce qu'ils sont ensemble. Donc, même de manière géopolitique, avec tout ce que j'ai lu et tout ce que j'écoute, je n'ai pas envie d'entrer trop dans les débats de télévision, parce que dans les débats de télévision, chacun qui, c'est-à-dire pour davantage continuer à burner la masse, chacun qui le pagne de son côté. Mais au fond, on te dit, bon, Poutine, la seule chose qu'il réclame, c'est que ne mettez pas des bases militaires autour de moi, et qui fait partie des accords, soit des Minsk ou je sais pas moi quoi, qu'ils avaient signé lors de la décapitation de l'URSS. C'était conclu dans cette truc-là. Donc, s'il faut penser comme ça, comme je suis le monsieur Mélenchon, ça veut dire que quelque part, Poutine a raison sur le plan physiologique. Mais sauf que, quand on va sur le plan mystique, la Première Guerre mondiale, quand vous additionnez la date du commencement de la Première Guerre mondiale, ça va vous donner 68 et 32. Celle de la Deuxième Guerre mondiale, quand vous additionnez les chiffres, ça va vous donner le même chiffre. Celle de l'Ukraine, c'est le même élément, 68-32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant marqué, comme dit les Écritures, il doit avoir une action. Alors, maintenant, comme Poutine n'est pas exclu du corps de l'univers, même s'il est une tête, même s'il est un cerveau, comme les États-Unis ou comme peut-être l'Angleterre ou n'oublions pas non pas trop la Chine l'Israël voilà qui est une puissance très élevée qu'on n'en parle pas voilà donc même si Poutine est un membre du corps il n'est pas exclu du corps ça veut dire que autant marqué on va utiliser un membre du corps pour rendre l'univers visible parce qu'à partir de la guerre on change les lois. À partir de la guerre, on donne un nouveau regard à la société. À partir de la guerre, on atteint des objectifs. Et c'est l'univers qui est derrière. Et n'utilise que ses supports pour se rendre visible. Comme le cas de la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Qu'on vient de vivre. Et justement, je voulais chuter par là. La crise sanitaire n'a pas atteint son objectif. Qui ne nous dit pas que par la guerre, on va atteindre l'objectif de la crise sanitaire? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc maintenant, pour le naïf et pour la masse, on va lui faire croire que Poutine, c'est méchant. Poutine, c'est le gars à abattre et tout, et tout, et tout. Mais cependant, ceux même qui vous disent que Poutine, c'est méchant, le soir, ils font des rapports, ils se rendent compte, ils font le bilan ensemble. Et puis, ils disent, bon, voilà, on est peut-être à 35%. La suite, c'est quoi? Ils ont un agenda. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et regardez même comment Poutine annonce la guerre. Il est sûr de lui. Est-ce que vous comprenez un peu? On se lève pas un matin, on annonce la guerre. Donc, tout ce qui se passe dans l'univers n'est pas au hasard.
Et maintenant, sauf que, comme on parle du mysticisme, l'univers joue son film. L'univers se met en mouvement, mais pas d'elle-même. C'est ça, c'est où ça devient intéressant. Que ce soit Poutine, que ce soit Biden, que ce soit celui de l'Angleterre ou je ne sais pas moi de qui, ou de la Chine, comme vous le disiez tout à l'heure, personne de ne peut être en mouvement de lui-même. L'univers lui-même se met en mouvement par le Créateur. C'est le Créateur qui met l'univers en mouvement. Et maintenant, l'univers, comme il est instruit de se mettre en mouvement, il va utiliser ses supports pour le faire. Et quelqu'un va me poser la question, comment? Mais c'est très simple. Depuis la nuit des temps, le grand architecte, celui qui n'a pas de nom, celui qui ordonne à tout, de gris ayam ayam, il donne l'ordre et l'univers se met en mouvement. On l'a vu avec la Genèse. On te dit la terre est dans le tohu bohu, n'est-ce pas? On te dit, l'Éternel dit à l'Éternel que la terre prenne une forme, que la partie humide se mette de côté, que la partie sèche vienne, que la partie sèche produit des êtres vivants. C'est où on a vu l'avènement des arbres. Que la partie humide produit des êtres vivants, on a eu des poissons. Et c'est de la partie sèche qu'on a tiré l'humain. Vous comprenez un peu? Et toujours sous instruction. Donc, l'univers a toujours été au service du grand maître. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si tu es un mystique, et que ton mysticisme, ça reste seulement dans l'univers, est cloné là, est renfermé dans l'univers, tu es un mystique limité. Maintenant, si tu es un mystique qui vient du Créateur, ça veut dire que c'est toi le maître. Vous voyez un peu? Et quelqu'un va me dire comment ça se passe, mais on en a vu. Hein. C'est vrai qu'on va dire que dans la Bible, peut-être c'est des histoires qu'on raconte. Mais on voit, ça se voit aujourd'hui. Ça peut se voir dans ton quotidien. Parce que si on revient sur nous-mêmes, il y a des gens qui aujourd'hui ne sont pas entraînés par tout vent. C'est-à-dire ces informations de l'univers, la guerre en Ukraine, la pandémie mondiale, tout ce qu'on peut citer, la crise des enseignants au Cameroun. Mais ça les laisse indifférents parce que eux, ils ne consomment pas cette nourriture-là. Eux, ils sont en dehors de ces vibrations. Vous voyez un peu? Parce qu'ils viennent d'en haut. Elles sont infimes, limitées et ce n'est même pas bon pour leur conscience. Ils sont au-delà de ces informations. Donc, du coup, ils reçoivent du Créateur et ça les équilibre. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'univers, certains peuvent être asphyxiés par les informations de la télévision, de la radio, du quotidien, de son boulot. Mais d'autres, vous vivez dans le bon monde, hein, mais ils ne sont pas atteints par ces informations-là, parce qu'ils ne consomment pas ce que la nourriture de l'univers. J'aimerais un peu chuter sur un point. Oui. Un point un peu crucial. Si nous regardons un peu le monde, s'il faut parler du mystique, on a parlé tout à l'heure du degré de mystique, du degré des personnes mystiques. C'est ça. Ceux qui sont des vases vides, qui essaient de voir seulement le paraître, ce que l'univers en mouvement veut bien leur présenter. C'est ça. Mais maintenant, il y a certains qui se servent du mystique là pour faire un semblant de miracle. On nous a parlé des faux pasteurs. On nous a dit que certains partent même dans certains pays pour prendre de la puissance. Est-ce que donc, dans ce contact avec la nature, avec l'univers, on va dire que certains ont dit qu'ils ont des maîtres. Donc, il y a un échelonnage des maîtres avant d'atteindre même... Satan, si vous voulez. Oui. Voilà. Donc, il faut accuser de la puissance et puis ils reviennent et agissent pour un temps. Mais... C'est ça. Ce que vous expliquez est très intéressant. Alors, il y a une chose dans cette dimension parfois qui me fait un peu, qui me dérange un peu. C'est que dans cette dimension-là, on ne te donne rien pour rien. Se voit un peu, on ne te donne rien pour rien. Les échelons sont gravis dans l'univers, dans la dimension métaphysique ou mystique. En retour, tu dois donner quelque chose. Donc, en réalité, même c'est une illusion. Parce que pour finir, toi-même, tu n'existes plus. C'est la différence avec le Christ. Le Christ, lui, ne t'efface pas. Tu es conscient de toi. C'est pourquoi vous allez voir les premiers enseignements de Jésus, c'était que qu'ils me connaissent, et ils te connaissent, et enfin ils se découvrent pour savoir qui ils sont. Est-ce que tu comprends? Donc le Christ n'a jamais caché cette dimension-là. Pour le Christ, cette dimension est très importante. Elle se voit un peu, cette dimension est très importante. Il n'a jamais caché cette dimension. Maintenant, dans le mysticisme, comme vous le dites, il y a des maîtres, des mains même qu'on ne connaît même pas. On te dit seulement telle personne, tu vas le rencontrer. On te donne des noms des anges.
Voilà. Maintenant, revenons par exemple sur les pasteurs qui vont par exemple vendre de l'illusion à leurs fidèles. Mais ils ne font rien de nouveau. Ils ne font rien de nouveau. Parce que quand on parle de pasteurs qui opèrent comme un marabout, ce sont des marabouts qui ont juste changé de forme. Est-ce que tu comprends? Parce qu'un vrai pasteur, quand le mot pasteur renvoie au berger, et il est le berger, c'est-à-dire qu'il doit prendre plutôt soin des humains. Il ne doit pas plutôt les dépouiller. Ça ne doit pas être un fonds de commerce pour lui. Alors, vous allez voir que le pasteur a le même fonctionnement que l'industrie pharmaceutique. Il a le même fonctionnement que la politique. Est-ce que vous voyez un peu que les politiques? Il a le même fonctionnement que les économistes. Donc, vous comprenez bien que c'est le même esprit qui est en mouvement, mais qui prend des formes juste différentes et des appellations différentes. C'est le même contenu. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en haut n'exploite pas les gens. Ce qui vient d'en haut n'attend pas quelque chose de toi. Tu ne peux pas lui donner. Vous voyez un peu, c'est lui qui te donne. Voilà pourquoi le Christ est trop clair. Vous ne pouvez pas venir vers moi. Mon Père vous attire. Ne peut pas remplir la source. C'est la source qui remplit. Qui remplit toujours. Imagine que tu ne peux pas remplir la sanaga. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si tu veux boire toute la sanaga, tu vas mourir sans finir. Sans atteindre ton objectif. Vous voyez un peu? Donc, une source n'est pas tarissable. Et une source n'attend rien de toi. Elle est là pour te donner. C'est pourquoi dans la vraie dimension du mysticisme qui est celle du Christ, c'est la bénédiction. Le Christ bénit. Il dit, je vous bénis, je vous donne, afin que vous soyez comblés, vous soyez complets, votre joie soit immense, que vous compreniez qui vous êtes et qui je suis. Donc, si nous comprenons bien, certains ont détourné l'essence même première du mot mystique. Oui, et ont fait du mot mystique leur chose. Ils ont même rendu ça péjoratif. Voilà. Parce que tu vois, par exemple, quand on parle du démon, ça fait peur aux gens. Mais on a taxé le Christ des démons. Parce que les inconscients l'ont taxé de démons. Même les maîtres cosmiques ont dit qu'il était un démon. Je dis même les maîtres cosmiques qui se passaient pour des grands maîtres mystiques ont taxé le Christ d'un sorcier. Parce que les actes qu'il porte, que vous appelez miracle tout à l'heure ou mystère, étaient au-delà de leur interprétation. Ils ne pouvaient pas interpréter ça. Et ce n'était même pas dans leurs écoles de mysticisme, puisque dans le mysticisme, on apprend même. Ce n'était pas là-bas. Dans le Christ te révèle tout par intuition directe. Tu n'as pas besoin de lire les bouquins. Tu vois, il y a une communication directe avec toi. C'est pourquoi certains vont parler de choses cachées. Voilà, des choses cachées qu'on va révéler. L'apôtre Paul nous le dit. Des choses cachées qui étaient cachées aux yeux de beaucoup et qu'il a voulu bien nous le révéler. Bon, M. Béranger, il faudrait que nous sortions de ce sujet pour entamer un autre. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez donc, puisque l'on était en train de parler de la différence entre un être et une personne mystique, ouais. S'il faut conclure. Tout ce que je peux dire, c'est que la différence au niveau de la différence au niveau de la construction de l'être, ce n'est pas dans la sémantique. Tout le monde peut se réclamer d'un être mystique, tout le monde peut se réclamer d'un être qui n'est pas mystique. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que le vrai mystique, qui est au-delà de l'univers, quand il s'exprime en acte, en parole, en geste, on peut bien voir, c'est ça que le Christ disait, vous le reconnaîtrez par le fruit. Maintenant, celui qui est mystique, c'est-à-dire rester renfermé dans les lois de l'univers, mais il peut être terrassé. Parce que vous voyez un peu, il peut être confus aussi. Parce que même les mystiques du monde, ils sont confus. Hein. Vous m'excuserez, je vous dis un peu. Si nous prenons un peu, nous touchons un peu la religion comme nous l'avons touché, nous avons vu qu'il y a plusieurs obédiences chrétiennes. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut donc parler des mystiques de l'Église? Oui, déjà même la mystique de l'Église catholique, mystique, oui, de l'Église épiciste. Je disais à quelqu'un dernièrement que la force même de la religion catholique ou bien de cette dénomination ou cette institution, c'est que les enseignants, ceux qui sont haut placés, ne sont pas des enfants de cœur. Tu vois un peu? Ils sont au moins conscients de ce que c'est que l'univers à leur niveau. Chacun est conscient à son niveau. Vous voyez un peu? Par exemple, l'archevêque de Yaoundé ou de Douala ne peut pas se comparer peut-être avec l'archevêque de Paris ou avec l'archevêque de Londres. Vous voyez, ce sont des dimensions. C'est même au niveau de la politique, ça se voit. Hein? Un pays comme le Cameroun ne nomme pas n'importe qui comme ambassadeur aux États-Unis. Il ne nomme pas n'importe qui comme ambassadeur peut-être en Israël. En Israël. Est-ce que vous comprenez? Ou en Chine?
Vous voyez un peu, ou en Russie, par exemple, chez notre ami Poutine. Voilà, c'est pas Donald. Tous sont nos amis, hein, voilà. Donc, on n'est pas dans les polémiques des présidents. Voilà. Donc, non, j'essaie juste de voilà, faire comprendre. comprendre. Voilà. Vous voyez que si Monsieur Biya aujourd'hui veut nommer un ambassadeur en Chine, il sait qui va nommer là-bas. Vous voyez un peu. Il ne peut pas prendre celui qui devait peut-être aller au Tchad pour l'envoyer en Chine comme ça. Peut-être celui du Tchad ira en jouer en Chine, mais peut-être il faut qu'il grandisse Il encore un peu. grandit, il grandit. Vous comprenez un peu? Donc, même dans la politique, ça se fait. C'est la même chose au niveau de l'industrie pharmaceutique, même au niveau des maladies. Les maladies ne s'expriment pas de la même façon. Et les maladies ne répondent pas aux mêmes prescriptions ou doses de médicaments. Il y a des maladies qui ont besoin d'une dose un peu plus forte. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous Une allez dose prendre un inférieure. comprimé. On te dit que ça coûte par exemple 25 000 un comprimé. Vous voyez un peu? Voilà. Par contre, on va te donner 25 000. Tu peux acheter par exemple toute une pharmacie si tu as un autre type de maladie. Donc, vous voyez que même la maladie est mystique. Et elle s'exprime en degré Un par degré, degré. parce que même Voilà. dans le traitement, certains Ce vont n'est pas la comprendre même que ce chose. n'est pas la même C'est pas la chose. même chose. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut juste comprendre que tout ça est dans la constitution identitaire de chacun. Donc, aussi longtemps qu'on est réveillé, aussi longtemps qu'on est conscient, ou alors aussi longtemps qu'on s'approche du Christ, on comprend qui on est et comment fonctionne le monde. Je Voilà. vous remercie. Je vous remercie vraiment pour toutes ces explications. Et Voilà. nous espérons que ceux qui nous suivront pourront aussi avoir un peu plus d'explications sur l'univers qui nous entoure. Voilà. Et je dis merci à ceux qui vont nous écouter et à nos nouveaux abonnés et qui continuent à liker. Voilà.